Nous sommes en Avignon. C'est une petite ville. C'est le moulin. C'est l'école. C'est l'église. Et c'est la rivière. Voilà le pont. C'est le pont d'Avignon. Bonjour, je suis le coq. J'habite dans cette ferme. Bonjour le coq. Voici mes amis. Ce sont les poules avec les poussins. Bonjour, je suis la poule. Je donne les œufs. Bonjour la poule. Ce sont les oies avec les oiseaux. Bonjour, je suis l'oie. J'habite dans la ferme et je peux nager. Bonjour, Loi. Et voilà les canards avec les canetons. Bonjour, je suis le canard. J'habite à la ferme. Je peux nager et voler. Bonjour le canard. Bonjour, je suis la chèvre. Je donne le lait. Bonjour la chèvre. Bonjour, je suis la vache. Je donne le lait. Bonjour, je suis le chat. J'habite à la ferme. Bonjour le chat. Bonjour, je suis le lapin. J'habite à la ferme. Je peux manger des carottes.
Regardez, c'est le cheval. Bonjour le cheval. Bonjour, je suis le chien. J'habite à la ferme. Je peux surveiller la maison. Bonjour le chien. Bonjour, je suis le mouton. J'habite à la ferme. Bonjour le mouton. Bonjour, je suis le cochon. J'habite dans la ferme et je peux être très sale. Bonjour le cochon. Bonjour, je suis l'âne et je peux être têtu. Bonjour l'âne. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est un porte-monnaie! Et il y a de l'argent! Combien y en a-t-il? Aidez-moi à le compter! Oh, combien d'argent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 100 écus. 100 écus en or. Quelle chance. Il y a 100 écus en or. Quelle chance. J'ai trouvé un porte-monnaie avec de l'argent. Il y a une somme de 100 écus en or. Quel bonheur. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est la carrosse. Un carrosse? Mais regardez, c'est le roi. Bonjour votre majesté. Bonjour monsieur Lecoq. J'ai entendu dire que vous aviez trouvé un porte-monnaie avec de l'argent. Écoute-moi camarade. Prête-moi cet argent. Je te rembourserai dans 3 mois. Avec plaisir votre Altesse. Et vous devrez me payer des intérêts. Mais bien sûr. Je vous promets que dans 3 mois... vous aurez votre argent avec les intérêts. 3 mois? Alors, nous sommes en novembre. Donc, décembre, janvier, février. Donc, en février, le roi doit rembourser le coq. Sous le pont d'Avignon.
en haut, les bons messieurs font comme ça. Et puis encore comme ça. On y danse sur le pont d'Avignon. On y danse tous en haut, les belles dents font comme ça. Et puis encore comme ça. Monsieur Lecoq, qu'est-ce que vous faites? J'écris une lettre au roi. Ah, vous écrivez la lettre? Nous sommes déjà en février, mais le roi n'a pas encore remboursé Lecoq. Que faire? J'écris une lettre au roi. Votre Majesté, 3 mois se sont écoulés, je vous prie de me rembourser. Lecoq. Petits moutons au museau tout rond dans les rues se promenaient, du violon ils jouaient. Clignait ses yeux si grands, tapait du sabot, pan pan pan. Bonjour le coq, où vas-tu? Je vais chez le roi reprendre mes 5 écus. Est-ce qu'on peut aller avec toi? Oui, bien sûr, allons-y ensemble. Regardez, c'est l'abeille. Bonjour le coq, où vas-tu? Je vais chez le roi reprendre mes 5 écus. Allons-y ensemble. C'est le renard. Salut camarade, où vas-tu? Je vais chez le roi reprendre mes 5 écus. Est-ce que je peux venir avec toi? Oui, bien sûr, allons-y ensemble. «
c'est le loup. Salut camarade, où vas-tu? Je vais chez le roi reprendre mes 100 écus. Est-ce que je peux venir avec toi? Oui, bien sûr. Allons-y ensemble. C'est l'ours. Salut camarade, où es-tu? Je vais chez le roi reprendre mes 100 écus. Est-ce que je peux venir avec toi? Oui, bien sûr. Allons-y ensemble. Salut camarade, où es-tu? Je vais chez le roi reprendre mes 100 écus. Est-ce que je peux venir avec toi? Oui, bien sûr. Allons-y ensemble. Salut camarade, où vas-tu? Je vais chez le roi reprendre mes 100 écus. Est-ce que je peux venir avec toi? Oui, bien sûr, allons-y ensemble. Nous sommes à Paris. Voilà le palais du roi. C'est le Louvre. Se sont écoulés. Je vous prie de me rembourser. Quoi? Jetez-le dans le poulailler et demain faites-en une soupe. Renard, aide-moi. Loup, aide-moi. Avec grand plaisir. Quoi? Rembourse-moi. Quoi? Alors plumez le coq. Corbeau, aide-moi. Avec grande joie, je vais donner des coups de bec au roi. Oh non, il ne faut pas. Je vais vous rendre l'argent tout de suite. Voici ton argent. Très bien. Au revoir, votre majesté. Et maintenant, allons au magasin acheter des sucreries avant que je n'aie perdu l'argent.